Et voilà, la VOD est lancée, on va voir comment ça va se passer. Je l'ai pas pu enlever, putain, ça m'énerve un petit peu, j'ai pas pu enlever ce que je voulais enlever. Donc c'est dommage. Ah ok, il ressemble un peu, avec le skin il ressemble un peu à Kyle, quoi. Il fera attention, le perso ressemble un petit peu à Kyle. On est avec Aatrox, Aatrox que je ne connais pas du tout, you know. Et on va voir ce que ça va donner. Donc qu'est-ce qu'il a comme passif? Your opponent taking fatal damage, Aatrox extracts the current blood of the world. When using an ability that cast heals Aatrox, he restores 20% of the damage. Bon d'accord, c'est un truc de heal quoi. 225 secondes de cooldown, oh putain. The fuck, c'est de la merde. C'est infâme quoi. Après, d'accord, il lui prend de la vie ou pas de coup. Bon, on va découvrir tout ça. Je vais le jouer en mode découverte totale. Je vais aller top et puis on s'en va avec lui. Je vais prendre Dragon Blade. Le but c'est de voir un petit peu à quoi ça ressemble, les amis. Oh, ok, là, bon, je vais aller bot. Alors, non, je vais aller bot. Je go bot quoi. Je go bot. J'aurai des bots, du coup, je pourrais les tuer, me fie de devenir invincible quoi. Et voilà, présenter le perso en mode ouais, il est trop lol, trop cheaté quoi. Mais en fait, zéro quoi. Alors. D'ailleurs, je suis désolé, mais désolé, mais je ne vois pas trop le chat. Enfin, je vais regarder le chat, mais le problème c'est que là, je suis à Ashford, les amis, you know. Du coup, c'est un peu compliqué. À la fin, avec son passif, tu peux te ressusciter avec 1000 de PV, d'accord, tout va bien. Apparemment, en ce moment, je sais pas pourquoi Riot là nous fait des passifs en mode je te ressuscite, il y a des blobs, des trucs comme ça quoi. Ça a l'air d'être un peu pété quoi. Donc là, on est sur la première compétence, donc. Je pense que c'est un champion qui va se jouer forcément à D. Il a l'air sous là, mon dieu, Warwick Bot, donc clairement il va attaquer. BOOM! What the hell? How you doing, man? D'accord, alors apparemment c'est un dash non targeté, ça c'est plutôt intéressant. S'il te plaît, tu vas arrêter de me frapper. Pas de dégâts. Je mets des damage là. Avec mes auto-hits. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce de blood, je pense, une espèce du passif qui s'utilise avec les compétences après. Donc le A, on vient de le voir. Espèce de dash non targeté, je vais utiliser encore une fois dessus. Boum, je vais dessus. Et après, je lui mets un peu la bite quoi, une fois que je suis dessus. D'accord, c'est pas mal. Le Z. D'accord, c'est un truc qui s'active. What the fuck. Peut-être que je lise la description, ce serait plus marrant. Alors, activate the switch between Bloodthirst and Blood Price. Bloodthirst, every third attack, it works. D'accord. Alors, Bloodthirst, là on est en quoi? On est en Bloodthirst, d'accord. Toutes les 3 attaques. Vous rendez de la vie, c'est plutôt intéressant. Et de l'autre côté, Aatrox dit sur un bonus. D'accord. Alors en gros, quand je suis comme ça, toutes les autres 3 attaques, hop, je me rends de la vie. Et de l'autre côté, toutes les 3 attaques, je fais des dégâts supplémentaires. Donc en gros, tu choisis entre les dégâts ou le sustain. C'est plutôt en perso, tu auras joué top, je pense. Mais je vais voir si c'est non targetable. C'est vraiment non targetable. C'est vraiment très très intéressant pour le coup. Le bordel. Donc je pense que c'est plutôt intéressant là, attention. On va essayer de mettre un petit peu la puce nette. Et le, j'ai pas regardé ce que c'était. Donc le, c'est Aatrox Unleash and send forward the power of this blade. Ah, il fait des magic damage du coup. D'accord, pour les gens à côté. Ah ouais, d'accord, c'est un skill shot. Nice. Une espèce de traînée assez intéressante. Mais ce qu'il y a, c'est que les sorts le changent légèrement. Aussi en fonction du skin. Donc là, vu que j'ai un autre skin, c'est pour ça. Alors je vais juste m'attarder un petit peu sur le passif. C'est quand il prend des damage en fait que tout simplement l'espèce de jauge en bas est en train d'augmenter. C'est pour ça. Alors attendez, par contre j'ai pas vérifié, c'est vrai que... 2 secondes. Voilà. Hop. Bah il est marqué c'est quand il prend des damage. Non. Ah oui, d'accord, qui va The Current Blood, d'accord, oui. Quand il va prendre des fatal damage, j'avais pas lu quoi. Donc, exactement. Hop, on va prendre ça. Ouais. Je pense que le perso a l'air assez intéressant. Bon, c'était un perso de mêlée, forcément, pour aimer le style. Moi, je suis pas hyper fan, mais ça m'a l'air pas mal. Donc, ouais, le Q en tout cas prend 10% de votre vie actuelle. Donc, c'est toujours marqué à côté. Hein. Là, il me prendrait 82 PV. Ce qui est pas énorme. Et je pense qu'il faut jouer avec le Z aussi. Alors est-ce que ce serait bien de faire une trinité avec ce perso? Je ne sais pas parce qu'il a quand même pas mal d'actifs. Et ça c'est clairement un skill shot des familles. Donc on va dans sa gueule, voilà. Ah ça le soit en plus, ça le soit bien comme il faut quoi. Oh merde, bah, j'ai mal joué là. Une batte c'était un bonhomme. Ah oui, en plus c'est une petite. Il va me tuer quoi.
Et Warwick va me tuer quoi, what the fuck, casse-toi. Warwick est beaucoup trop fort pour moi. Ok, et on va voir pour l'ultimate juste après. Au moins, il y a que le passif que je n'ai pas vraiment compris en fait. C'est juste qu'il se stack, il stack du sang. Et quand tu meurs, bah tu ressuscites une fois plus. Donc si c'est vraiment ça, c'est vraiment de la merde. Parce que voilà quoi, c'est un peu quand. C'est un peu général qui voir le passif. Mais je peux rien lui faire, genre Warwick est beaucoup trop fort quoi. Merci le perso, perso à chier quoi. Ah ouais, ça me rend un peu mal. Mais Warwick est trop fort pour moi quoi. Ouais, en même temps, il est beaucoup trop chaud. Bon, je suis en train de pousser comme un tarde. Je vais t'en prendre juste mon niveau 6 pour voir ce que ça va donner quoi. Bon, je pense qu'il pourrait jouer jungler hein, parce qu'il y en a qui me demandait ça tout à l'heure. Oui, je pense qu'il pourrait jouer jungler. Honnêtement, il a du sustain, il a ce qu'il faut, il a des dégâts. Il a une capacité d'ingage assez intéressante. Bonjour, c'est un gars, c'était bien. Donc, ouais, il pourrait jouer jungle. Oui, il pourrait jouer jungle, donc bien entendu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense. Par ce qui est chiant, c'est qu'ils ont pas mis le nombre de stacks que tu fais. Ah, si, d'accord. Okay. Ah, si, j'attaque encore une fois. Voilà, là, ça met. La next attaque va me win. Ils auraient pu mettre une espèce de compteur à 1, 2, 3 et plus tard plus quoi, mais non, apparemment un peu trop flemmard quoi. Donc c'est un peu la décevance quoi. Alors l'ultimate, voyons voir ce que ça donne, l'ultimate. Il prend rien, s'appelle Massacre on Activation, attracts dragons in the blood of his foes, dealing magic damage to all enemy champion around him, equal to 15%. Et des dégâts magiques en fait, il y a un ratio magique sur cet outil. Et ça prend sur la vie actuelle. D'accord. Pour les 12 secondes suivantes, maximum minus, c'est d'accord. En gros, il gagne de la vie en plus pour chaque coup qu'il va mettre au champion. Attack speed increase by 25% plus 60%. D'accord, en gros, c'est vraiment l'ulti où il faut aller en mêlée, quoi. Genre, mettre tout quoi sur le gars. Et plus il y a de champion, et plus c'est la fête du cyber. Ok, la fois, on va voir. Ouais, ok. Je vais en mode, je m'en bats les couilles. Ah, il m'a tué. Donc et voilà le passif qui arrive. Je vais mourir quoi. Et non, je flash parce que je suis trop fort. Putain, mais casse-toi. Donc vous avez pu voir, le passif vient d'être activé. Ça me permettra de voir un peu ce que ça donnait. Donc l'ultimate qui était dégueulasse. Warwick est beaucoup trop fort pour moi hein, puisque c'est un bot. Et le passif, alors au moment où je suis mort, ça a pris tout ce que j'avais comme sang en fait hein, puisque c'est ça, la barre de sang. Et ça m'a ressuscité en mode GA quoi. Mais honnêtement, enfin je trouve que le passif est juste ouais, voilà, enfin faut le dire, pour moi c'est nul à chier. Pourquoi tout simplement parce que enfin c'est vu et revu quoi. Je commence à en avoir un peu ras le cul de voir des passifs qui te ressuscitent. Bon, maintenant enfin c'est n'importe quoi, tu fais une team Anivia, Zac Jungle, Aatrox, merci quoi, et tu fais tous des GA et coucou, je meurs pas, merci. Et puis tu mets Tryndamere aussi histoire que ça soit plus marrant. Mais non, je trouve le passif honnêtement très peu convaincant là dessus je sais pas. Je trouve que c'est pas recherché, ouais. Honnêtement, je trouve que c'est pas ouf, quoi. Donc, je suis pas super génial, quoi. OP, enfin, ouais, OP, donc, je pense pas que ce soit OP. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, puisque... non, tu peux avoir 1000 de vie quand tu es très jeune, mais bon, c'est un peu nul à chier. Surpass the frailty of your form. Franchement, et genre Warwick, je dis rien quoi. Pourtant, je pense que c'est un perso vraiment late game hein, parce que il est zéro quoi. Le Warwick, il s'en bat les couilles. Bonjour, je suis un bot, je meurs. Donc, c'est un peu infâme. Regardez-le, c'est super marrant. Ouais, je lui fais zéro, hein. Genre, ils s'en bat les couilles de moi, mais mes puissances 20 000 quoi. Donc je sais avec une BOTRK avoir quelques. Enfin ce qu'il va pouvoir faire comme dégâts, j'ai pas trop farmé, j'étais vraiment en mode je découvre les compétences. Bon, ce qui est bien c'est que vous pouvez traverser les murs forcément avec ce perso. Hein. Voilà, merci, mais bon, vu que c'est pas targeté, c'est ce qui rend le perso le. Enfin je pense que c'est sa compétence la plus intéressante en fait au final. Donc ouais, bah écoutez, on va voir. Mais c'est pas mal. En jungle vraiment je pense qu'il a la possibilité, puisque le mec est pas dégueu. Donc il est assez bon. Ouais. Bon après je suis pas très objectif aussi puisque je déteste les champions de mêlée, je m'ennuie en fait avec les champions de mêlée. Donc c'est pas ce qui me fait rêver quoi. Donc là j'ai un peu peur quoi, j'attaque mais clairement il va me défoncer quoi, Warwick bot. Il a quoi comme style d'ailleurs? Le mec a juste de la vie, il me met la bite. Bonjour, je suis Warwick. Ouais, vraiment zéro quoi. Ouais, mais...
Ouais, tu n'entends rien. Mais il me défonce tellement en fait. Je pense que je vais monter le set. Non, mais c'est juste un test, hein, vraiment. C'est juste un test pour voir ce que ça donne honnêtement en jeu. Son skin est plutôt sympa. Vous pouvez voir là, sans skin, il est plutôt sympa aussi. Donc là, il va m'agresser. Mais casse-toi, putain. J'essaie de me heal. Je pense qu'il faut vraiment faire de la vitesse d'attaque avec lui. Non, mais ah oui, bah oui, bah nice bug, quoi, nice bug. Je vais mourir, mec. Tellement infâme, quoi. Nul à chier, mais c'est nul à chier, quoi. Mais c'est nul à chier, faut nul. D'accord. Bon, bah je ne suis pas assez fort pour tuer un Warwick, apparemment. Donc voilà, je suis un peu déçu, quoi. Parce que tous les persos que j'ai testés sur PBE, même les persos genre Karma, bah je pouvais tuer un bot, mais lui. Atrox, non, tu peux pas tuer de bug. Bah, par contre, ouais, vous avez pu voir le bug, c'est-à-dire qu'il m'a ulti au moment où j'ai jump. Et du coup, enfin, ça c'est nul à chier, quoi. Ouais, il m'a brain, mais bon, j'ai pris 0 dégâts, quoi. Donc il était un peu déçu. Parce que ça m'a pas immobilisé. Mais bon, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Voilà, moi j'ai mis quelques réserves. Je vais essayer de le stuffer un petit peu pour voir ce que ça donne en late game, machin, etc. Avec des buffs. Enfin, vous savez, le topo actuel, quoi. On va essayer de s'attarder un petit peu là-dessus. Mais c'est pas fou. Après, on parlait tout à l'heure, il a du contrôle, hein. Il a un bump avec le A. Il a un slow avec le E, mais ça fait des dégâts magiques. Bon, c'est un peu nul à chier. Son ulti en fait est assez. Salut. Son ulti est assez intéressant. En soi, pour vraiment, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment être tanky, quoi. Genre, il faut déjà avoir du stuff pour aller en mode NPGG. Je rentre dans le fight, et après, il a son passif qui va pouvoir lui sauver la vie. Mais sinon, c'est pas fou. Et son Z au final permet d'avoir du stuff. Mais bon, si t'as pas de vitesse d'attaque au début, tu l'attends. Parce que là, bon, je vais pas vous mettre la pression, mais j'accepte vraiment le truc. Il va devoir lui donner des complications. En fait, tu l'actives. Il y en a un qui te permet d'avoir sustain à la troisième attaque, et il y en a un qui te permet de faire des dégâts supplémentaires à la troisième attaque. Voilà, c'est juste la différence. Quoi. Donc, à la limite, au bout d'un moment, si t'as beaucoup de vitesse d'attaque et de régène, tu mets l'autre et ça va te régène autant. Quoi. Mais c'est tout, je sais pas si c'est très très intéressant. Là, le Warwick me met la vitesse, c'est infâme. Quoi. Ah mais je fais 0 dégâts, quoi, mais vraiment, hein, je suis un peu choqué parce que j'ai mis un perso qui faisait autant 0 dégâts de tout. Oh mais Sean qui va venir l'aider, bah allons-y, quoi, c'est la fête. J'ai même le Sean bot qui est contre moi, quoi, c'est-à-dire que tout le monde vient me mettre la vitre. Vous voyez, avec l'ultimate, en plus, vous gagnez des dégâts supplémentaires. Des dégâts, de la vitesse d'attaque supplémentaire pour chaque coup que vous allez mettre au champion qui se stack pendant, je crois que c'est 2 secondes, c'est ça. Un truc du genre. Non, pendant 12 secondes. Pendant les 12 prochaines secondes, ça stack. Allez, d'accord, merci le lag. On va essayer de prendre la tour ici. Vous voyez que même le Trundle met la bite au Aatrox en face, quoi. Il a dit, voilà, 0 damage. Il est un peu d'accord avec moi et il trouve que ça c'est un peu de la merde, donc voilà. Bon, bah écoutez, vraiment, je pense que c'est un perso late game, donc on va faire le test. Mais si c'est un Asus-like, merci qui va jouer ça. Bah ouais, bah honnêtement. Après, je vous montre ça contre un bot, donc on n'est pas en situation réelle. Mais vraiment, en situation réelle, si même un bot me pose des complications en mode j'arrive pas à le tuer, quoi. Enfin, allô la terre, quoi. C'est un peu compliqué. Parce que là, Warwick, je le fais 0, hein. Warwick, il s'en bat les couilles. Si c'est une poupée, tu te dis, vraiment, regardez, il me met des dégâts, mais genre monstrueux de la terre entière, quoi. C'est infâme, hein. J'ai un red buff en plus, donc merci. Non. Ça suffit maintenant, tu prends ton menton, on s'en va quand même. Donc là, il va me signifier, donc bon, je suis un peu trop fort pour lui, donc clairement, je vais faire boum avec. Donc bon, il a de l'escape, heureusement. Ah oui, d'accord, donc là, apparemment, ils ont payé le sbire pour venir m'attaquer, mais ils repartent. Je suis pas fan. On va essayer de partir sur une BO TRK. Hop, on va faire un peu de vitesse d'attaque, on va refaire des potions parce que c'est nul. C'est nul en fait. Mais c'est comme ça, je vais aller en jungle. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de ce que je vous ai montré? Dites-moi sur le chat si vous avez des petites infos. Si vous pensez qu'il y a des trucs intéressants ou pas, quoi. Oui, la barre de rage est en rapport avec le passif, c'est ça. Plus tu as de rage et plus quand tu vas mourir, tu vas reprendre de la vie en fait, tout simplement.
faudrait le jouer AP mêlée au lieu de le jouer AD. Alors, je vais te montrer les ratios et si ça t'intéresse de le jouer AP, libre à toi. Mais non, en fait. Parce qu'il a qu'un ratio, c'est sur le E. Et ça m'a l'air d'être sacrément de la merde. Que, ouais, enfin, c'est du 75% quoi. Et le reste, il n'y a rien du tout. Enfin, peut-être le jouer à la Kyle, si c'est ça qui t'intéresse, mais je pense pas que ce soit très intéressant. Même une petite CSB sur le cœur à pied, c'est pas fou quoi. C'est pas fou. Faudrait tout jouer sur le E, je pense. C'est pas un Kyle-like, hein, c'est pas du tout ça quoi. Ouais, je pense que c'est. Je pense que c'est un. Enfin, je sais pas. Non, je pense pas que ce soit en tank, c'est un bruiseur à DPS quoi. Mais ouais, mais il DPS pas en fait, c'est ça le problème. Moi je trouve qu'il fait vraiment zéro dégâts. Hein. C'est vraiment assez impressionnant. Quoi. Pourtant, honnêtement, je suis sur des runes de pénétration. Donc c'est peut-être ça qu'il joue aussi, mais même en jouant flat, je pense pas que ce soit fou quoi. Sur des runes de pénétration, je ferai un brutas si je voulais après, je ferai tout ce qu'il faut. Mais pour l'instant, je ne suis absolument pas convaincu de champion tout simplement. Et voilà mec, qu'est-ce qu'il y a, j'étais là. Et je te slow, je vais faire un double coup de tête parce que je suis fort. Oh là là putain, je flash nick. Oh là là, les damage monstrueux de ce perso. Et voilà, double kill, putain, je me balade. Bon, ce perso est trop fort quoi, est juste trop fort. En fait, c'est juste qu'il y avait Jean-Louis qui était en train de back au niveau du Drake après l'avoir fait, donc je lui ai dit non. Et je viens de récupérer mon red buff. Donc voilà, ce perso est beaucoup trop chaud. Jungler, vitesse d'attaque, je pense qu'il faut le jouer un peu. Et voilà, on a fait un ace, putain, on est trop fort. Ouais, on est devenu ça en fait. Pour clean les lanes, pour clear les lanes, il n'est pas ouf en plus. On verra bien. Je sais pas s'il faut monter le A, honnêtement. Ça, c'est quelque chose que j'ai testé vraiment en mode NPGG, ça me semblait logique. En jungle, je pense qu'il faudrait peut-être monter les Z. En plus, alors je sais pas s'il y a un cancel au niveau, au niveau du Z, c'est-à-dire que vous avez votre troisième attaque et. Et si j'appuie sur Z pour passer d'une forme à l'autre, ça me la garde ou pas? Une chose que je n'ai pas essayé, qu'on pourrait tester. Donc si j'appuie sur Z maintenant. Ouais, non, ça me la garde. Ok, d'accord, super. Bon, je commence à avoir un peu plus de détails qu'on peut faire sur ces merdes. Ouais, donc on peut jouer avec ça. Mais est-ce que c'est que les trois attaques? Oh, ça m'a le truc. Alphys, d'accord, ok. Ouais, quand il a rien à moins de vie, il prend un peu Bagdad quoi. Ça a l'air d'être pas trop mal. Donc en bas il est niveau 12, il a des hauts RK. Donc je pense qu'il met un peu la vie. Mais... Bon, j'ai double buff quoi, donc il reste quand même déchiré. On va me défoncer quoi. D'accord, et vous voyez son passif qui lui a redonné, il lui a redonné 400 PV. J'ai pas utilisé mon sabre vicié d'ailleurs. Et apparemment, il faut vraiment qu'il me tue en entier pour récupérer le double buff également. Donc c'est genre une mort tout à fait normale, donc y a aucun souci. Bon, bah écoutez, ma foi, rien de bien incroyable. Comment il a pu le tuer alors qu'il n'était pas là, j'ai pas compris. Et c'est en partir sur Bioterka. Mais Bioterka, je pense que c'est quand même un item assez important ex perso, parce que sinon, merci, ça sert à rien quoi. Ah non, et infâme, je trouve vraiment pas. Ouais, Xari est à peu près d'accord avec moi. Il m'a dit, je regarde et je trouve que c'est un peu de la merde. Clairement, je suis un peu d'accord avec lui. Bah, regardez le depuis tout à l'heure qui m'a tué. Il est en bas, il a double buff et voilà, ça régène. Donc, il avait plus de vie quoi. Donc, merci. Donc, en fait, il a pas de vie. C'est. Waouh. Ouais, pas très intéressant. Imputable le Warwick, bah oui, merci. Ils vont carrer la game, je pense. Surtout que merci, mais le compte pas sur moi. Quoi. Je suis Atrox, le perso Atrox. Et nu à chier. Bon, mais je dois vous avouer que je suis un peu sur ma faim, je suis un peu déçu. Alors après, il vient de sortir, est-ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il va être encore. Encore bouger, nerfé, EP, enfin aussi nerf ça même, enfin, clairement. Je pense que personne n'achète à sa sortie. Mais je trouve ça un peu bah, c'est un peu un perso qui a une. J'avais l'impression qu'avec son cul, je pourrais clean les waves assez rapidement, mais non en fait, parce que.
même sur les sbires range, en ayant maxé le A, bah ça les tue pas quoi. Donc what the fuck. Ouais ouais mais je suis pas fan quoi. Encore un passif chiant. Ouais ouais c'est ça. Un passif chiant, on est d'accord. Alors qu'est-ce que vous me dites? Stuff CC à la gangplank pour attraper sur lui. Le stuff CC à coup critique donc du coup. Ouais si tu veux on peut tester mieux. Alors moi j'aurais bien aimé tester si genre voir si une trinité était intéressante dessus parce que pour jouer avec son actif sur le Z vu qu'il y a 0,5 de cooldown et pour activer la Chine un maximum. Je sais pas si la trinité pourrait être intéressante. Donc je vais faire un test après. Quoi? Ouais merci quoi mais non c'est mieux chier. Voilà, je borne en tête aussi pour le C. Ouais, bon. Ouais, slow perma, mais autant prendre une trinité, tu feras des dégâts et t'as une chance de proc le slow, quoi. Mais... Je sais pas. Ah, merci pour le développe des sbires. Ouais, il est un peu plus stable que moi, du coup. Ah, il a fait un stinger. Pourquoi il a fait un stinger, the fuck? Ah d'accord, il va faire un Zephyr. Ouais, le Zephyr peut être intéressant dessus. 25 dégâts, 50% attack speed. Ouais, puis ça donne l'arrêt du cooldown. Par contre, l'Hydra, c'est vrai que l'Hydra peut être pour le coup pas trop mal également. Il y a tellement de. Enfin, ce qui est conseillé, je sais pas si c'est très très intéressant. L'Hydra pour le passif. Pour l'actif, pardon. Ouais. Moi, je vais tester de faire une trinité pour voir. Genre en mode je m'en bats les couilles. Ouais, il a un bon slow, c'est ça. Je suis certain que le perso est viable. Je pense que le perso sera viable, bien entendu, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon. T'as un stuff tankiness. Bah, t'as Beoterka et Stinger, c'est pas trop tanky pour l'instant. Oh, mais casse-toi, je suis. Et voilà mec, on t'a mis la bite 2v3, putain on est beaucoup trop fort. C'est vraiment des génies du jeu quoi. En fait c'est quand même le seul perso avec lequel j'ai du mal à tuer les bots quoi. Est-ce que je dois me poser des questions, je ne sais pas mais. Et j'ai pas perdu mon passif par contre. Bon c'est bon, ça me permet de récupérer un peu de stuff après. Donc moi j'ai vraiment envie de tester la trinité. Après s'il y a des items que vous voulez voir en particulier sur le perso, dites-le moi, on va essayer de faire tout ça dans cette vidéo. Une petite vidéo juste pour tester les compétences, hein. Y a rien de, c'est pas en mode voilà je teste le perso contre des gens, ouh je me fais défoncer la gueule parce que c'est lui à chier mais non zéro. Pour l'instant on va voir comment ça va se passer avec tout ça. Je pense qu'en rendu 1 ça peut être intéressant aussi avec le perso, genre pour maximiser la synergie du test d'attaque et je te mets la bite à mettre en face quoi. Là je commence à voir masse de stacks au niveau du passif. Ouais. Nice. Donc on a récupéré ça. On va essayer de, d'engranger un maximum de gold pour aller récupérer juste après. Hop, la trinité, pardon. Oh là, qu'est-ce qu'il est lent. Bon bah j'ai envie de dire à demain quoi. Bonjour. Parce que le plus lent pour faire le drag d'abord. Ah super, on l'a eu. On va aller récupérer l'aura de buff. Ouais. Les nuages. Bon, enfin moi j'aime pas. Bah parce que on est à 25 minutes de jeu et je commence peut-être à faire des dégâts sur les sbires. Avant c'était un peu impossible.
Ouais, je sais pas, je pense qu'il faut qu'il le up. Je pense que. Je pense. Ta gueule. Ah, bah si, si, carrément en plus, parce que je sais pas du tout le jouer. Mais. Mais non, pour l'instant c'est même pas ça. Mais je pense que le. Honnêtement, je pense qu'il est pas. Je pense qu'il est pas fou quoi. Je pense qu'il est. Il peut être pas mal dans un premier temps en jungle en tout cas, parce qu'il a quand même une bonne capacité de gank. Honnêtement, il est pas dégueulasse quoi. Mais je pense qu'il a pas trop de dégâts. Après, après bon, ça c'est mon avis. C'est mon avis personnel. Je suis complètement subjectif là-dessus. Mais... Là, il perd pas de vie. Et là, clairement, on va aller leur mettre la bite parce que c'est un peu trop fort. C'est un jungler, top lane, ce que tu veux. Mec un peu trop slow. Allez, t'as plus quoi. Oh là là là, j'étais tellement brain au passif, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Fuck, motherfucker. Ouais, mais c'est un génie du jeu. Bon, voilà. J'avais mon passif, il ne l'avait plus puisqu'on l'a tué en bas tout à l'heure. Donc là, il était un peu déçu. Il a voulu me tuer. Et quel équipe qu'il croyait prendre? Nicolas et Pamponel. Boum, j'ai tué. Donc, allez, hop, on va remonter. Le mec, insta midlife. Ah, je suis trop fort, mec. Ce perso est trop génial, il est trop fort. Mec, il change d'avis toutes les deux secondes. Là, on va pusher parce que bon, on joue quand même contre face à un mec et des bots, quoi, donc c'est un peu dur. Et ensuite, on va aller tranquillement terminer tout ça, voir ce que ça va donner. Et donc là, attention, Shun bot qui fait le fou, quoi. Voilà, voilà. Et voilà, on leur a mis la lutte encore une fois. On se balade un petit peu avec mon collègue Jean-Louis David là. Que je peux passer à travers. Oh nice, 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 nice. D'accord, il a une bonne portée quand même avec le. Alors il part sur quoi mon homologue? Il a bien fait Zephyr, il va partir un peu tanky je pense avec de l'armure, etc. On va voir comment ça va se passer pour lui. De mon côté j'aimerais bien terminer au moins mes bots, un de ces quatre, ça pourrait être sympa, mais voilà, ah, nickel. Nous l'ont récupéré un peu de farm. Voilà, il s'est fait shoot down par Sowist, qui est un peu Sowist quoi, tu vois. Je regarderai le chat après. Je vais aller faire les golems quoi. Ah quoi. Alors qu'est-ce que vous me dites sur le chat? Il est faible en early, il a besoin d'un early gank. Je pense qu'il est faible en early, ouais. Je pense qu'il est vraiment. Honnêtement, je pense que c'est un perso pas très fort en early. Et je pense qu'il pourrait être joué jungle pour pallier à ça un peu mieux qu'en lane. Après je pense qu'il a une tenue de lane respectable parce que il a quand même un comment ça s'appelle un bon sustain. Ah putain. Voilà, on va rentrer vers lui parce que là il va me défoncer le jeu. Oh là là, le Shun quoi, merci, wouh! C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On fait shutdown. Donc là, il a ulti juste après là pour prendre de la vie. Et surtout qu'il y a le Shun qui est venu l'aider. Donc je suis un peu déçu. What the fuck quoi, genre le Shun qui est Shun support. Allez, attention, Warwick qui décide de ne jamais mourir. Mais heureusement, Trinitus est là. Trinitus va lui mettre la bite quoi. Attention, on se fait push, mon ami, on se fait push! Donc cette partie est complètement intéressante. Et je vais regarder vos questions là. Alors, c'est plus du late game, c'est du end game. Ouais, c'est vrai que c'est assez chiant. Je pense que j'ai au BOTR 4 unités, je commence à faire quand même pas mal de damage. Je commence à être plutôt pas mal. Mais bon, pourquoi ton passif est pas en cooldown? Il est en cooldown, hein, mon passif. Regarde, c'est ici. Bloodwell is on cooldown, c'est marqué. Mais là, par contre, ça s'est plus affiché. C'est vrai que là, tout à l'heure, on avait marqué 250 secondes. Après, je sais pas si c'est réductible par le. 225 secondes, pardon. Je sais pas si c'est réductible par le cooldown reduce. J'en ai assez d'ailleurs, j'en ai aucune idée, je vais aller voir après. Je vais aller prendre un blue buff et faire le test. Mais voilà. Voilà le 1-1 qui a été perdu tout à l'heure. Il y avait encore son. Je sais pas si c'est fait. Shun m'a dit. Il m'a dit non, apparemment. On va voir tout de suite. Donc là, je suis à 225 secondes de cooldown. Mais non, c'est pas réductible, hein. C'est pas du tout réductible.
Donc le passif pas réductible par, par la CDR, donc perfect. Ouais. En fait, ce qui me gêne, c'est que c'est un passif vu et revu, quoi, qui a été un petit peu modifié. Genre, on a dit, allez les gars, on va mettre un peu de sang dans le passif. Les MPGG vont rien comprendre quand même. En fait, donc, c'est pour ça que ça me déçoit là-dessus sur le passif. Quoi. Gira, quand tu te heal avec ta troisième attaque, tu peux le combiner avec ton slow ou ton A. What the fuck? Non, attendez, je fais un test. Ah, d'accord. Donc, du coup, ouais, c'est, je pense pas que ce soit si intéressant en fait la Trinité, parce que vous pouvez le voir, la Chine ne proc pas. La Chine ne proc pas quand je change de. Quand j'appuie sur Z. C'est pas très fort. Donc, c'est dommage. Alors que là, elle proc sur le A, bien entendu. Mais pas sur le Z. Donc, la Chine ne proc absolument pas sur ces sorts là. C'est dommage. Mais bon, la Trinité reste quand même un item intéressant. C'est dommage que ça ne passe pas, honnêtement. Attention, ça fait des dégâts. Bonjour, je suis à 3. Il faut bien que je serve dans la game quand même. Donc, ok, nickel. Oula, attention, il y a le Shen qui se promène un petit peu. Shen Connery, là, je sais pas ce qu'il nous fait. Oh, attention, je te one shot. Et voilà, Aced. Parce que je suis un peu trop fort, putain. Donc apparemment c'est vraiment perso plutôt late game que early. Mais ouais, je pense que vraiment en jungle ça pourrait être quand même intéressant. Même si je suis pas le plus grand fan de, du monde de ce genre de champion. Ce genre de combinaison incroyable, mais vrai. On va laisser comme ça pendant que tu fais le break. Alors, le dodge du saut, on est dans sa stream d'Angleterre. Eh ben oui, on est en Angleterre là actuellement, c'est la folie, c'est la folie. Oui, avec Hydra ça pourrait faire, c'est un champion de mêlée quand même, donc oui, je pense que ça le fait. Vous pouvez tester d'ailleurs, ça m'apporterait un bon sustain. Après, bon, c'est un risque à prendre parce que du coup, t'es pas du tout tanky quoi. T'es tanky zéro quoi. Moi, j'ai la Trinité qui me fait un petit peu garder les tises, mais c'est tout quoi. Donc là, on va jouer avec l'Hydra. Hop, je vais le régler par contre, K-Binding. Mes items qui sont en mode, je crois, 2, 3, 4. Sauf que le 4, ce sera ça. Voilà, donc là, ça peut être intéressant à partir de là. Ça a l'air de pocher sur Abattoir. Voilà, le Tiamat. Donc, on est bon. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre si vous avez d'autres questions? Je suppose que le Gun Templar sera à la Décarie. Bon, ça, on n'en sait rien encore, hein, mon ami. On peut pas. Mais bon, vu son artwork, s'il existe en tout cas, ouais, je pense qu'il sera à Décarie. Et il saute, il s'est complètement déglingué la gueule, quoi. Parce que bon, il est un peu trop fort, Trundle. Du coup, il met la vie, quoi. Ça, il est mort parce qu'il faut pas non plus déconner. On va finir l'Hydra assez rapidement. Oh, en plus de fight, est-ce qu'il veut. Mais je pense que c'est vraiment perso que c'est late game quoi. Vraiment, vraiment. C'est un perso qui est vraiment axé sur la vitesse d'attaque, sur la régène également. Donc c'est pas mal. Le nom de passif en anglais c'est Bloodwell. Bloodwell. Donc là j'ai pas mal de régène quoi. Non mais clairement Sowist il est énervé quoi, il essaye de nous avoir, on va les tuer quoi parce que on va prendre l'inhibiteur, il nous énerve un peu trop quoi. Oui donc le nom c'est bien Bloodwell hein, le passif en anglais. Donc allons-y.
Trinitus, suis-moi mon ami. On va leur mettre la bite. Parce que là je commence à avoir des dégâts, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, impeccable. Donc vous voyez que je commence à avoir beaucoup plus de rage, enfin de sang là ici. Maintenant, c'est ce qui va me servir à ressusciter de toute façon avec le passif. Allez, let's go. Est-ce que ça marche sur les tours? Non, ça marche pas. Et voilà, mec, je me balade. Et voilà, on est en rampage. Et on leur a mis la bite sur ce fight sous tour. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Donc, le passif qui en fight est plutôt intéressant, qui agit comme un GA. Mais je pense qu'avec un autre. Ah oui. Je pense qu'avec un autre GA, ce serait complètement cheated, quoi. Honnêtement, sur ça. Mais c'est vraiment perso beaucoup trop late game, quoi. Merci. Mais... Perso, faut vraiment l'oublier pour ça. Non, nul à chier. Non, il est pas nul à chier, mais voilà, c'est pas c'est un perso late game et c'est tout ce que je déteste en fait. C'est genre le perso qui au début mais vraiment est nul, quoi. Et enfin pas nul mais pas très intéressant. Et il faut vraiment avoir un peu de stuff parce que là, enfin franchement là avec ce que j'ai clairement le mec, enfin c'est un Tryndamere light, tu vois. Parce que le gameplay est pas mal, ouais. Le gameplay est pas mal, vraiment. Le gameplay est assez fun. Après bon, faut switcher un peu avec ses positions sur le Z là, pour faire plus ou moins de dégâts ou assurer le sustain. Ça c'est un peu tricky, un peu marrant. Mais c'est pas le meilleur de tous les persos que j'ai jamais vu, quoi, pour l'instant. Team voilà, j'ai mis quelques réserves parce que c'est pas fou tout simplement. Et après c'est le genre de perso que j'aime pas trop, quoi. Les persos de mêlée ça m'énerve en fait parce que pas grand chose à faire, quoi. Attention. Hesitation is death. Je suis un peu trop fort. Donc le mid est pushé, Meshen n'arrive pas à défendre. Le bot qui n'arrive pas à défendre, c'est un peu trop fort pour lui, quoi. C'est un peu trop dur. Oh merde. Merci, quoi. Encore le Shen qui vient l'aider, quoi. Merci, mais non, arrête. Arrête, quoi, Shen. Ok, j'ai l'Hydra. Est-ce qu'il y a un item aussi? Alors, on m'avait demandé un peu de CC. Alors, je sais pas si j'aurai le temps. Je vais essayer de sortir. On monte une Blue Searster. Je vais essayer de faire une UE à la place. Parce que j'ai déjà beaucoup de régène entre la Béotarka et l'Hydra. Si je fais une UE, ça pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant là-dessus, quoi? Il a pas assez de vie de base, ni d'armure et de MR, il est trop late game, c'est ça. Moi c'est ce que je pense aussi. Alors là, pour tout vous avouer, je suis parti avec des runes et des maîtrises cariadées. Donc ça ne, c'était juste pour le lol, quoi, pour faire des dégâts. Mais même avec ça, il faisait pas beaucoup de damage en early, hein. Je trouvais ça un peu dégueulasse. Donc je suis pas super fan. Le visage spirituel. Le visage spirituel peut être envisagé puisqu'il a quand même une régène assez intéressante. Et ça le rendrait un peu plus tanky, ça baisserait ses CDR. Mais le CDR est pas très important au final parce qu'il a très peu de cooldown de base en natif sur ses autres sorts. On va peut-être jouer un peu là-dessus pour avoir sur le cul. Le Z ça sert à rien puisqu'il y a 0,5, c'est pas réductible. Je pense que le passif n'est pas du tout réductible. Moi je suis pas hyper fan, hein, pour l'instant. Autant prendre Trinda. Ouais, enfin. Pourquoi pas. Si tu fais PDIE. Et en fait c'est ce que je reproche, j'ai l'impression qu'il nous ressorte un peu un Trinda de l'ancien temps ou un Master IAD, quoi. Et c'est clairement le genre de perso qui est absolument pas viable à l'heure actuelle. Enfin pas viable à part quand Skyheart le joue. Mais sinon c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Trinda est intéressant pour certaines choses, mais si tu te fais kite jusqu'à l'infini et l'au-delà, c'est foutu. Après là il a un dash non targeté qui est assez intéressant, c'est un bump. Il a un slow également assez infâme. Il a un bon sustain, il a des dégâts supplémentaires. Son ulti est pas trop mal, quoique pas fou non plus, hein, parce qu'il faut quand même vraiment être en mêlée pour pouvoir en profiter un maximum. Donc j'ai mis quelques réserves pour l'instant là-dessus. Je ne l'envoie pas à Baltar, voilà, si c'est ce que vous voulez savoir, je ne l'envoie pas tout de suite à Baltar. Je suis hyper fan. Ce n'est pas un grand ulti. Je pense qu'on peut utiliser la puissance du push final, quoi, pour les terminer.
Pas de break, donc pas de break, pas de chocolat quoi. J'suis un peu déçu. Sky va kiffer, je pense. Ouais, je pense que Sky va kiffer. Sky va le rendre intéressant. Sky va pouvoir péter des gueules avec. Mais comme je vous l'ai dit, c'est typiquement pas le genre de perso qui m'intéresse de base. Je pense qu'il faut, honnêtement, je pense qu'il a besoin d'un petit up au niveau des damage. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que je suis le seul à avoir pensé que c'était, qu'il était pas très fort? Mais je me suis senti un peu ridicule à ne pas pouvoir tuer un bot quand même. Donc voilà, ça m'a un peu refroidi quoi. Je dois vous l'avouer. C'est un peu chiant. Donc là j'y vais, je push en trichant. Merde, il met la tête quoi. Alors, on voit pas du flash out. Il met un peu trop la tête. Alors j'ai pas vu le stuff qu'il a fait lui, pas être intéressant. Il a fait du tanking, il a fait la sweeper. Du coup là il me pénètre bien profondément parce que vous pouvez voir j'ai pas trop d'armure, j'ai 95. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Donc on a eu 10 Zephyr pour réduire les. Ouais ça pour réduire la ténacité quoi. Mais c'est pas ouf ouf. La sweeper qui l'aide bien. Et surtout le rendu 1 qui aura bien plus tanky face à moi. Donc il permet de mettre la bite hein, tout simplement. Moi j'ai testé IE. Je pars vraiment sur stuff DPS de base quoi. Stuff un peu infâme que tu ne fais pas en melee. Parce que le temps d'arriver pour mettre ton DPS, bah, en fait tu es mort. Ah, donc on va voir. On va voir là-dessus. Après il faut. Ouais, je pense qu'il y a une manière de jouer ce perso aussi. Hein. Je suis un peu d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une manière de le jouer. Actuellement je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout comment prendre. C'est vraiment un test, c'est vraiment un aperçu. Mais je suis pas fou quoi. Je suis pas. Ouais. La méta pour rendre les carry cac. Les carry AD cac plus fiable comme Fiora, IAD par exemple. D'accord. Donc c'est peut-être pour ça, parce qu'en fait actuellement on a une méta qui est vraiment axée sur les assassins AD, donc Z, Lee Sin, machin, etc. Donc ça reste très bon, mais après c'est vrai que les persos CAC, AD, DPS ne sont pas du tout, enfin c'est pas qu'ils sont pas viables, mais ils sont très difficiles à rendre intéressants lors de game quoi. Surtout face à des joueurs qui savent un peu jouer quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Alors à part Trundle, c'est vrai que Trundle a été vraiment c'est, il est très tanky, un excellent gankeur, il a des stats de base assez intéressantes. Donc c'est pour ça que ça le rend très bien. Mais sinon non c'est pas ouf ça. Donc là il fait énormément de dégâts. Oh ouais, il s'en fout. Il va pas le chercher. Trinitus, pourquoi ne donc tu pas le tuer? Moi j'attends vraiment l'IE là pour voir ce que ça va donner là dessus. Alors ouais j'avoue ça pourrait être intéressant. Alors c'est moi qui avais le skin. C'est moi qui ai le skin, lui il n'a pas de skin quoi. Mais lui il avait encore l'ulti, c'est pour ça, enfin le passif pardon, c'est pour ça qu'il a pu résister. Mais il est beaucoup plus tanky, moi je suis parti sur un stuff DPS quoi, je suis pas du tout sur un stuff tanky. Donc du coup bah, je pense que sur les trades il est beaucoup plus fort quoi, ce qui est normal. Alors je pense qu'il a un bon stuff honnêtement, il a fait ce qu'il fallait, du tanking, de la ténacité, de la vitesse d'attaque, de la régène, il a de la pénétration. Donc ouais tout va bien pour lui là, il est très bien là, notre ami Sowist. Donc il peut, son stuff est bien plus intéressant. Moi je suis parti sur un stuff. Je pense qu'à la limite, le Tiamat reste intéressant là dessus. La BO Terka, enfin vous pouvez faire BT. Moi j'aime bien Tiamat en fait, c'est enfin l'Hydra. J'aime bien l'Hydra pour la propriété active. Je trouve ça assez skilly, assez tricky, assez sympa. Mais sinon ouais, il a fait un stuff beaucoup plus tanky, beaucoup plus intéressant ouais, carrément. Clairement son stuff est bien mieux que le mien quoi. Moi j'ai fait un peu de la merde quoi. Donc je suis parti sur des dégâts. Mais apparemment faut que je vive avant quoi. Allez, clean tout ça. Ok nickel. Donc là on est dans une game de 44 minutes face à des bots. Oui bah tout va bien. Puisqu'on est en train de tester un petit peu tout avec les persos. Non, je peux vraiment rien faire. Il est beaucoup trop stuff comparé à moi. Il met tellement la vie quoi. Il faut vraiment que je parte sur du tanking. Je pense qu'il faudrait que je fasse un rendu 1 par exemple pour être un peu mieux. La Trinité est vraiment pas folle.
pour le coup. La Trinité est pas folle, pourquoi? Bah tout simplement parce qu'elle proc pas sur le Z en fait. Parce que le Z, j'essaye de jouer là-dessus sur les failles. On ira d'appuyer dessus pour activer la Chine, mais en fait ça n'active pas. Donc au final c'est pas très très intéressant je pense de faire une Trinité. Bon, une Trinité c'est toujours bien, mais ça reste pas le meilleur des choix là. Voilà, il va prendre une bombide. Moi je suis là bientôt. Donc alors qu'est-ce que vous dites? Je l'upload quand la vidéo, je l'uploaderai après hein. C'est une petite vidéo présentation, une petite vidéo découverte entre guillemets, c'est pas. Y'a rien à montrer vraiment énorme quoi. Donc voilà. Quoi? C'est normal que c'est en skinny le plus beau, ouais, je pense que c'est beaucoup trop beau. Donc au pire je peux changer de stuff si vous voulez. Alors Trinité je pense que je vais le revendre. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va faire une IE pour le fun. On va faire de la vitesse d'attaque pour le fun again. Non, on va faire ça, tu vois. Parce que le Zephyr est en bon choix. Ouais, on va voir. Pas la région folle, surtout qu'il a BT. La BT est plus intéressante. Donc on va voir, avec une IE pour le fun, parce que ça peut proc sur les dégâts, sur le Z. Ah merde, on va essayer d'aller défendre. Bon, je crois qu'il a son passif. Qui s'en va. Putain, j'ai fait détruire par les bots mon collègue, on est un peu dans la merde. Alors voyons voir. J'ai fait justement pour tester le spirit visage, visage spirituel, donc je sens du nom en français. Je vais essayer de tuer parce que bon il m'énerve un peu. Voilà. Je ne peux pas le tuer, il est beaucoup trop feed maintenant, il a trop de stuff, il est vraiment trop tanky. Ah, faudrait que je fasse des points de vie peut-être. Ce serait pas mal quoi. Donc vous voyez, je pense qu'en plus le passif en late game est assez chiant hein, parce que le mec a tellement. S'il joue un peu tanky, s'il est un peu vénère, ah, il va survivre. Bon il a son passif quand même. Et voilà le passif qui va le prof, qui lui rend 880 HP. Je pense qu'il avait pas mal de rage en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais je pense que c'est vraiment un perso très light game. Un perso qui est vraiment fort là-dedans. Après avec son passif, s'il fait un jas, il joue un peu tanky, un peu vitesse d'attaque et de régène, bah clairement ça va être un peu chiant à le tuer après par la suite. Donc alors bon, ce qu'on va faire, on va faire de la vie hein. Parce que clairement j'ai pas de vie quoi. J'ai un peu 2000 HP, c'est mieux à chier. Le maillet gelé serait plutôt petit sur lui à la rigueur qu'une trinité. Le maillet gelé ouais serait bon ouais bien sûr. Mais il a déjà un bon slow avec le E, donc je pense que c'est pas fou quoi. Non, le perso est pas moche. Le perso est plutôt joli. On peut voir que là, merci, le mec ne meurt pas. C'est-à-dire que là, il a son outil, il s'en bat le coup, il tue tout le monde. Donc là, on va être un peu submergé par les super sbires. J'ai réussi à le tuer parce que bon il avait plus de vie, il avait plus de passif, mais sinon clairement il met la bite quand même. Ouais, d'accord, il gagne un peu plus de portée aussi, hein, je viens de remarquer avec, avec son ulti, quand il est sous ulti il gagne un peu plus de portée. Mais rien de bien méchant. On va essayer de pusher. Et Warwick qui va essayer de finir la game quoi. Bon il est là dans 17 secondes mon collègue. La. La. On va essayer de prendre cet inhibiteur. Histoire de faire des poches un peu tout ça parce que c'est un peu la complication ultime de la morée. Nanana.
pion avant que Aatrox me mette la bite. Allons les défoncer, allons les défoncer, ce sont des bots. Ouais, tu es full stuff, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Oh les dégâts. Oh mon dieu, mon dieu. C'est parti. 2v1, je pense qu'il nous met la bite, tu feras attention. Ah, oh, je l'ai pas su, quoi. Allez, tout de suite, Trinitus. Voilà, putain, t'es là, mec. T'es là, mec. Tu push. On va la gagner. Le mec nous fait 1v2, quoi, en mode NPGG, quoi. Donc là, c'est bon, on va prendre ça. Pour lui dire un peu d'arrêter de nous faire chier, quoi. Parce que le mec est un peu trop fort. Voilà. contre un Jax. Ah ouais, il a un bon late game. C'est ça, il a un très bon late game. Mais comment dire, que faire d'un perso qui a un late game mais qui se fait péter la gueule en early, c'est ça. Est-ce que tu as le droit d'avoir un late game si en early tu as pris le Pain in the Ass tellement puissamment que tu ne peux plus t'asseoir. Donc ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, je pense que c'est le style de perso qu'aime Skyard, toi, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc go faire de la pénétration. Ouais, surtout que c'est trollé parce que j'ai des runes peinées mais je n'ai pas fait de pénétration, donc c'est un peu dégueulasse, quoi. Un peu nul à chier, quoi. Donc là ça va, je suis pas trop mal. Mais ouais, je pense que la Whisper est plus intéressant que l'IO, un IO qui est pas follement folle, quoi. Donc ça me coûterait combien cette connerie, ça? 2300, ouais, ta gueule. J'avoue, la game, best game ever. Oui, d'accord, il y a eu une espèce de lag de l'extrême, quoi, donc tu vas te calmer. Ouais, bot niveau 3. Et surtout, ah non, je peux pas, parce que c'est vrai que ça a été changé, quoi. Mais c'est d'argent. Mais merde, c'est la folie, quoi, on se fait envahir, là. C'est bon, notre inhibiteur est revenu, quoi. Notre inhibiteur est revenu. Les amis, nous pouvons le faire. Mais par contre, clairement, ils vont faire Nashor, quoi. Les bots qui se décident à faire Nashor, quoi, peut-être. Je manque un peu de vitesse d'attaque, je sens. Il a fait Hydra aussi, il change un peu. Let fear become fury. Ok, nice. Donc fais attention, hein, ça fait 53 minutes qu'on joue contre les bots. Donc la partie la plus passionnante que ma vie ait jamais connue. Ah putain, oh j'avais pas mon passif, non. Ouais, là il est un peu déçu, quoi. Attention, il se bat au milieu des sbires. Trinitus vs the world. Trinitus qui est un petit peu dans la merde. C'est Lignite qui va passer, attention, il va se faire péter la gueule. Et c'est un ace, et c'est une blague, pipi. Il s'est fait péter la gueule. Donc voilà. J'ai claqué rendu un trop tard aussi, vraiment dans le fight. Et je pense qu'on a perdu. Je vais pleurer. Bon mais GG, voilà, donc c'était un peu le perso notre ami Aatrox, vous avez pu voir à quoi ça ressemblait, ce que c'était. Honnêtement, je suis pas super fan parce que j'aime pas les persos qui sont vraiment trop late game, quoi. C'est vraiment Tryndamere like mais en pire. Il a quand même de bons dégâts, il a quand même de belles choses à faire. Il a des dashs non targetés, il a du slow, il a des trucs à faire. Donc c'est plutôt pas mal.
Après, après le perso en lui-même, c'est pas ce que j'aime. Voilà, c'est vraiment pas ce que j'aime. Je pense qu'il est un peu, voilà, il me plaît pas. C'est un perso de mêlée, donc c'est pas du tout mon type de gameplay. Voilà. En tout cas, c'est pas. Moi, je pense, honnêtement, ça fait partie des persos que je pense que je n'achèterai pas à la sortie. Quoi. Parce que d'habitude j'achète tous les persos, peu importe, j'ai acheté tous les persos, mais je pense que celui-là je l'achèterai vraiment pas quoi, parce que il est un peu, enfin je trouve qu'il est nul à chier en early, quoi, vraiment, hein, je trouve que c'est pas fort. À la limite en jungle il sera pas mal, à moins qu'il soit up par Riot, mais sinon ce sera non quoi, je trouve nul quoi. Donc voilà, c'était un petit aperçu sur notre ami Aatrox2, le nouveau perso qui devrait pas tarder à sortir normalement chez nous, même s'il a mis longtemps à arriver sur la PBE. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait les amis, sinon je vous pète la gueule. Laissez un pouce vert des familles si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce vert des familles également. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt tout le monde, ciao ciao.